Monsieur Paris, vous êtes le frère de Muriel. Exactement, oui. Et puis, elle a fait votre portrait en clown? L'an dernier, elle voulait me donner une peinture, puis comme j'en avais déjà plusieurs d'elle, j'ai dit, j'aimerais beaucoup qu'elle me fasse en clown. T'sais. Elle m'a dit, c'est correct. Quel effet ça fait de se voir comme ça? On se voit en deux personnalités, je trouve. C'est pas mal de fun. Pas mal content de ça. Mais ça se rapproche de votre vie de cabaret? Justement, ça fait déjà 37 ans que je fais ce métier-là. Puis, on continue tout le temps. Je travaille toujours au Nouveau-Champlain. Comment vous trouvez l'exposition? Oh, comme on dit d'entre nous autres, dans les 3X. Fantastique. Merci. Pas mal bon. Merci. Ben, on va choisir nos tweets. Une bedaine bitch à cholestérol. Un nanana mongol à nanana batterie. Un handicapé, ça peut pas nuire. On va chauffer le poêle avec ça. Malgré que non, je vais le mettre de côté. J'ai presque plus de papier de toilette à maison. Ça, on va prendre ça. On va faire un excellent sous-verre. Hein? Dire que ça a fait des émissions pour enfants, ça. Un habitat du terroir. Et finalement, un vomitif. Bon, j'ai toute ma gang. Pour ce soir. Raymond Baudouin rencontre une belle gang d'incompétents. Dites-vous que c'est pas une bonne raison pour le Québec de séparer, ça? Michel Boudichon fait affaire avec le meilleur ami de l'homme, madame. Oh, les mains! Donne-moi ton permis de conduire, beau juge de police. Réveillez, Longueuil nous présente un héros de guerre aux gencives musclées. Une grenade. Une grenade de... Et voici Pierre Brassard. Bienvenue à cette première de quatre émissions de Mea culpa sans limite. On est très, très, on est très, très heureux que vous soyez déplacés en si grand nombre ici au Medley. Merci d'être là pour... oui! Merci d'être ici pour entendre nos vieilles niaiseries ou les revoir, quand même, qui datent de 6 ou 7 ans. Alors, on commence tout de suite avec Sans limite, en bref! Reconnu, bien sûr, Robert Guiscuidi. Ça va bien, Richard? Oui. Ça va très bien, Pierre. Quand est-ce qu'on te voit tout nu sur Internet? C'est déjà fait. Maintenant, pour revenir à Sans limite, en bref, on s'en souvient, mais il n'y a peut-être pas tout le monde qui s'en rappelle. C'était quoi, au juste, ta fameuse chronique? Bien, imagine, par exemple, l'actualité de l'année 1990 comme si c'était une grosse moustache, Pierre. OK. Bien, en bref, c'était comme chacun des poils de cette moustache-là. Mm. Par exemple, dans une semaine, on pouvait retrouver les grands personnages, les grands événements qui ont marqué l'actualité. Et pour le prouver, j'ai des images. Oui, on regarde on ça tout de suite. Koweït. Depuis le retrait des Irakiens, on tourne de nouveaux épisodes du célèbre shérif Ricochet va vite. Je l'ai eu!
Floride. Un golfeur professionnel est remis à sa place par le président des États-Unis. Hop là! Oula, 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 oula! C'est bien mérité, salaud irakien. Hein? Who's next? Qu'on m'amène Saddam Hussein. Los Angeles. Jaloux des succès que remporte le boxeur Mike Tyson, des aborigènes lui jettent un mauvais sort. Montréal. Les différences culturelles sont de plus en plus évidentes entre les francophones hey, salut! Et les anglophones. How cow is you? États-Unis. Les Américains en ont maintenant la preuve. Elvis Presley est bel et bien vivant. It's now or never. Ottawa. Lors d'une visite de routine dans un hôpital ontarien, Brian Mulroney fait examiner ses spermatozoïdes. Oh ben, c'est mon sperme, ça. Une drôle de couleur en Simonac. Hey, c'est bien pour dire, hein? Un si gros engin pour si peu de loquet. États-Unis. Perdu devant un discours en russe de Mikhail Gorbatchev, George Bush doit utiliser un appareil de traduction. En territoire des Oilers, c'est au tour de... Rigaud. Corée. L'hiver amène une pénurie de vers de terre et chaque pêcheur doit fournir son petit méné. Est-ce que ça mord, Wang? Oh, j'en ai un! C'était Richard Zetirois dans son truck. Richard, j'ai regardé la dernière image. C'était quand même assez dangereux dans ton camion. T'aurais pu y laisser ta peau. J'aurais pu y laisser ma peau, Pierre, mais j'ai laissé juste mes poils. Oh, c'était un trucage! Sans limite! Rencontre! Excuse-moi, c'est parce qu'il manquait un mot pour finir le mot croisé. J'ai commencé dans le métro tout à l'heure. Bob, t'as tout fait ça juste en t'en venant ici? T'as dû partir au moins d'Henri Bourassa? Je sais. Mais c'est quoi, Bob, le mot que tu cherches au juste? On va t'aider, nous autres? Ouais. Ben, c'est un synonyme d'imbécile, dilette. Dilette, imbécile. P-O-L-I. Police au pluriel, c'est pour un du 4S. Alors, Bob, ben, non, tu te trompes. Y a pas juste les polices qui sont imbéciles, il y a aussi des politiciens. Ça veut dire que j'étais un politicien? Quasiment. Et toi, Richard, es-tu un politicien? Je dois être imbécile. Et pour d'autres, rencontrer d'autres imbéciles, voyons ce reportage de Raymond Baudouin coincé entre Brian Mulroney, on se souvient, et les gardes du corps. Il va sûrement avoir une petite claque à la gueule. On regarde ça tout de suite. De mon ami Jean-Christian, ça va bien, Jean? Très bien. Oh, on attend bien, très bien, ça. Mon ami Jean-Christian, je voulais vous dire une chose. Là. Félicitations, cette année, là, vous êtes devenu le chef du Parti libéral du Canada et vous êtes la personne la mieux placée pour devenir le futur premier ministre du Canada. Là. Pensez-vous que c'est pas une bonne raison pour le Québec de se séparer, ça? J'espère que non. J'espère que non. Ah, j'attends, je vais changer de côté, là. Soulier! Allez, là, bas. Monsieur Mulroney. Hey, Monsieur Mulroney, pour l'émission Sans Limite, un petit mot. Vous pouvez m'accorder une petite entrevue pour Sans Limite? Une petite entrevue pour Sans Limite, c'est gentil. Oui, ça, on s'est parlé juste avant. Mais c'était trop court. Juste une petite affaire. Ici, la Raymond Baudouin en compagnie de Brian Mulroney. Alors, Monsieur Mulroney, ah ben, ils ne passeront pas à TV. Bonjour, Monsieur Parizeau, ça va bien? Très bien, vous? Oui, peux-tu vous poser une petite question? Non. Non, je suis sympathique. Non, c'est le contraire. C'est pas la bonne. Et... Monsieur Mulroney, juste une petite question. Juste une petite question pour s'en émettre. J'ai déjà répondu. Non. Mais non, si vous parlez de la TPS, justement, si mettons que... Bon, OK. Non, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. OK. OK, ça va? Oui, ça va. OK, bon. Alors, justement, attendez. Ici, là, Raymond Baudouin, en compagnie de mon ami Brian. Ça va bien, Brian? Oui, ça va très bien. Monsieur Mulroney, là, on va parler de la TPS, là, disons. Vite. OK, vite, de la TPS, vite. Mettons que je suis un agriculteur, moi, je suis à Saint-Amand, j'élève des tailleurs de char. Oui. Pensez-vous que la TPS peut m'affecter, moi? Je pense pas. Maintenant, des vaches, possiblement, mais pas des tailleurs. Regarde, un petit Pinocchio, là, j'ai l'impression que le menton y allonge. Souris, Brian! Oui.
oui, boy, ça va être tué, hein? Cet ami, bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Pierre. On se rappelle bien sûr de vous, c'est ça, mais ce n'est pas Rodrigue Biron, bien sûr, il s'agit plutôt de Jean-Claude Bénard. On se rappelle, vous étiez l'éditorialiste en chef de Sans Limite, oui. Eh hein? Oui, Pierre, ah, le bon vieux jeune temps. Oui, il paraît que vous avez même changé de job, mais maintenant vous êtes le gérant de Yasser Arafat. Eh oui, c'est bien moi qui jadis un jour leva le voile sur la couverte du fameux linge à vaisselle devenu aujourd'hui Yasser Arafat. Et on re-regarde la TV. Ensemble. Partout d'où ce qui passe, c'est avec le linge à vaisselle bien passé qu'Yasser Arafat fait des appels à la paix pour la Palestine et Israël. Qui aurait dit qu'Arafat, Arafat ça? Personnellement, j'Arafat pareil. Arafat se flatte d'être un des dirigeants les plus colleux. Oui, c'est bon. Oh, oui, c'est bon. Oh, c'est moi, Et quand il serre la main, Yasser Arafat. Combien il me reste de temps, M. Régisseur? 10 minutes. Dans son pays, Arafat est reconnu pour être un vrai bout en train. À droite, j'ai les roues du violon et à gauche, j'ai de la trompette. Alors, attendez bien mon signal, ma gang de carrosse. Attention, 1, 2, 3, go! Et selon son beau-frère, il est fou comme de la marde. Oh, je te dis que dans un party, il donne pas sa place. Dans son avion non plus. Et où ma place, toi? Ah, merci. Combien qu'il me reste de temps, monsieur le régisseur? 2 minutes. Arafat est un gobain smart. En plus d'avoir construit une centrale hydroélectrique, créant ainsi un emploi, il boucle ses fins de mois en faisant du stand-up comique. Claude s'endort, saute par-dessus le pont Roquartier, atterrit direct d'un terrain de camping, madame. Là, je me mets à frencher un boulot, je torche une épinette, puis je dis, tiens, je vais piquer un léger somme. Fait que je monte ma tente, rouvre le zipper, rentre dans le sleeping bag, puis je me mets à ronfler à qui mieux. Je rêvais que j'embrassais ma femme, mais je me réveille. C'était un chien. Ben, la femme d'Arafat, elle trouve ça plate. T'avais un rire tantôt sur mon carrosse, hein? Combien est-ce qu'il me reste de temps, M. le régisseur? 2 minutes! Exactement, oui. Les Nations unies sont donc bien contentes et ils trouvent qu'Yasser, il a servi d'exemple à tous et que personne n'aura fait mieux, personne n'aura fait plus, personne n'aura fait ce qu'il a fait. Ici Jean-Claude Pénard, qui aura fait d'autres jeux de mots s'il aura fallu qu'aura fait s'appelle Arapette, Aradote ou Aralbol. Jean-Claude Pénard, mesdames et messieurs! Pas de en forme, tout ça. Oui, ça va très, très bien, Pierre. Contente de te revoir, bon bonhomme. Toujours aussi calme, mesdames, messieurs. Alors, mon cher Pot-Pot, toi, là, qu'est-ce qui t'a le plus... Qu'est-ce que ça t'a le plus apporté, Sans Limite? Ah, moi, Sans Limite, là, ça m'a apporté le, de découvrir les vrais mystères de la vie. Comme quoi, la caramille? Que... Non, pas du tout, Pierre. Non, la fois, là, tu dois t'en souvenir, hein, la fois que je suis allé, là, avec la caméra cachée, là, taquiner les polices, là, en plein milieu de la nuit, ils savaient pas. Je suis revenu avec tous mes morceaux. Même pas une petite poque sur le pout-pout. Ça, c'est des mystères de la vie. Eh bien, on regarde ça tout de suite. C'est parti. OK, 1, 2, testing. M'entends-tu? Tu m'entends? Tari, ce soir-là, on fait une affaire spéciale, c'est qu'on taquine la police. C'est pour ça que la caméra est cachée, il faut pas la voir. Ça va peut-être branler un peu, là, il va faire noir, mais on essaie les affaires. Je veux pas vous déranger trop, mais ce soir, je taquine les polices. Pardon? Ce soir, j'ai décidé de taquiner les polices. Oui, mais allez-y, mollo. Hey! Vous entravez la circulation, monsieur! Hey! Hey! Mets-toi là! Bonjour, monsieur l'agent. Il barre sa porte, il va juste de peureux, ça dégonne ses hanches, ça a peur. Arrêtez-la! Bouge de police! Regardez, je suis un ancien prisonnier, je fais du porte-à-porte de char de police pour vendre ça. Voulez-vous? Voulez-vous l'essayer? Je sais pas si ça ferait effet sur toi, ça. Moi, juste de police. Moi, je peux-tu l'essayer sur vous, monsieur? Oui, c'est bon. OK, bougez pas! Ça vous fait du mal? Êtes-vous correct? Sortez, s'il vous plaît.
Ça fait mal aux yeux, hein? Vous faites ça à tout le monde, monsieur, c'est pas correct, ça. Penses-tu? Oui. Attends, sortez de là. Hey! Okay. Oh, ben, mon maudit. Sortez vos papiers, s'il vous plaît. On fait une vérification, ça presse. Puis là, on est bien déçus parce que vous êtes stationné devant une bonne fontaine, ça, c'est pas correct, ça. Vous avez raison d'être. Bon, ben, qu'est-ce que vous faites là? Sortez, s'il vous plaît, on va vous fouiller. Sortez de là. Venez chercher votre casquette. Oui, vous êtes bien costaud, monsieur. Debout, vous êtes bien costaud. OK, les mains sur le haut, on va vous fouiller, s'il vous plaît. Les mains sur le haut. Vous avez pas le droit? Parce que le haut est sale? Oh, c'est vrai que c'est sale. Lavez-la, vos chars. Il y a même une crotte de monnaie. Ah. Des fois, la police, ça fait chier le monde, puis les oiseaux aussi. Allez, vous y allez d'abord. Ouais, haut les mains, mon homme. Haut les mains. Donne-moi ton permis de conduire, beaux yeux de police. Ah oui? Vous l'oubliez chez nous? Ah oui? Les mains sur le haut. Ah oui, les mains sur le haut. Ah oui, bah oui. Vous êtes une bonne police, monsieur. Bonjour. Police pleine de pisse. Aimez-vous ça? Ah oui, correct. Flic. Aimez-vous ça, ça? Ah oui. Vous êtes bœuf. Vous êtes un bœuf. Un chien. Ça, ça vous fâche-tu? Non, du tout. Vous avez un bon caractère, monsieur. Je vais prendre votre numéro en note, moi le dire à votre patron. Merci, allez fort. OK, t'as l'air. Salut. Pout, pout. Qu'est-ce que vous avez dit? Pout, pout. OK. Bon, ben, je vais retourner chez nous. Il n'y a pas moyen de se faire casser la gueule à soir. C'était Michel Boudichon. Yeah! Michel Boudichon! Merci! L'autre jour, je m'en vais jouer au golf avec Jacques Chrétien. Moi, j'avais zéro de handicap, puis lui, il en avait une cinquantaine. Fait qu'on arrive sur le premier trou, mon homme, je pogne mon frère 5, je fesse la balle, la patate là, et Chrétien, il en souhaiterait de sa gueule, mon homme, et on rit de joie. Excuse-moi de t'avoir fait sa gueule, Johnny. Je visais le front. Enregistrement. J'ai trouvé dans une boîte de cornflakes. J'ai trouvé dans une boîte de cornflakes. Ouais. Un permis de conduire. Un prix boni. Merci, Jésus. Alors, comme on a pu le constater, le schisme de fif, le poignet de fif et un de neuf fif. L'homosexualité est à l'honneur aujourd'hui dans le domaine policier. Ne va lire ça à soir avant de coucher. Sans limite, guerre mondiale! Avec Jean-Thierry Longueuil! Méchant look, Longueuil. C'est une sale histoire. Ah oui? Un pâté de moment Dion qui m'a sauté d'en face. Pas trop de dommage, le cerveau est encore là. Alors, Jacques, on parle de guerre mondiale. Est-ce que tu te souviens, toi, de Saddam Hussein? Bien, certainement. Saddam en bleu, c'est là sa table. C'est du folklore gay. Ah, ouais, ouais. Non, moi, d'après moi, le Saddam Hussein, ça me dit quelque chose. Ça doit être le nom du singe de Michael Jackson. Franchement, Saddam Hussein, là, c'est le cousin d'Arafat qui avait envahi le. Pour René Angélil. Ben non, t'es dans le champ, toi aussi. Saddam Hussein n'a jamais envahi René Angélil, il avait envahi le Koweït. Ben c'est ça, Koweït, Koweït, c'était pas loin. Ouais. Ben, de toute façon, la guerre est finie, c'est un Koweït interrompu. Alors, pour tous ceux qui ont besoin de se faire rafraîchir la mémoire à propos de la guerre du Golfe, regardons ce reportage de Charles Berlin. La guerre du Golfe est-elle vraiment terminée? En tout cas, au front, il n'y a plus un chat. Ah si, il y en a un. Minou, minou, minou. Un autre coup signé, Saddam Hussein, qui a à nouveau envahi Koweït. Il fait le ménage de ses nouveaux quartiers. Le président George Bush, rejoint plutôt à son domicile dans le comté de Recorder Hillier, nous a confirmé que Saddam reprenait les armes. Ça se peut-tu? Allô, faites-vous la livraison? Oui. OK, on va prendre un Scud. Puis une liqueur. Un Scud et une liqueur. C'est pas si de jeu. Saddam est un Mongol, mais un Mongol fier. Exactement, oui. Fier d'avoir sa photo dans le célèbre journal Torching Paper News. Saddam est prêt à arrêter la guerre, mais sous certaines conditions. D'abord, le retrait des forces syriennes du Liban et l'exécution immédiate de Michel Richard. On le sait, quand un pays est en guerre, son peuple n'a pas le temps de dormir. Bonne nuit, tout le monde. Faites-tu bien. Et puisqu'on fait la guerre, Saddam a interdit à tout le monde de faire l'amour. Eh bien, qu'est-ce que vous faisiez là? Rien. Range ça dans ton pantalon tout de suite. Décidé à gagner, Saddam a même dépêché son soldat le plus rapide. Arriba, 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 André.
Mais devant la puissance des Américains, certains Irakiens préfèrent déserter, laissant derrière eux leur sac rempli d'ex-lax. Fantastique. Comme d'habitude, les soldats canadiens préfèrent ne pas se mettre le nez là-dedans. Heureusement. Les soldats américains ont beau être forts, mais certains s'ennuient de leur épouse. Je crois que ma femme m'écrit qu'elle m'aime. Cher Yves, je pense souvent à toi. C'est connu, les méthodes de Saddam ne sont pas toujours catholiques. Et grâce à cet espion du FBI, les Américains apprennent à quel endroit ce salaud enferme les otages. Ah, celui-là, quand il sera cuit, ce sera un vrai régal. Tout de suite, on prévient le président Bush, qui, depuis son chalet, fait la fête à Saddam Hussein. Bon, un autre dossier de réglé. Ah, tous ces bateaux, ça me rend romantique. C'était Charles Berlin, AFP Audio, et les Coétiens vont regretter longtemps d'avoir mis ce tapis devant la porte de leur pays. Est-ce que tu connais d'autres héros de guerre? Ah ben oui, un héros très, très populaire, le soldat Lebrun. On parle pas d'un soldat de Pétawawa, là. On parle d'un vrai héros, un gars qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Oh boy! Ouais. On regarde ça tout de suite, mesdames, messieurs. Certainement. Voici Roger Moquin. Il aime bien se remémorer ses années de guerre. Oh, attention, Roger! Oh non! Europe, 1943. Roger vivait les plus beaux moments de sa vie. Il faisait du motocross, jouait à tag barbecue et devinez ce qu'il mangeait pour souper? De la fondue! L'objectif militaire de Roger était clair. Arracher la moustache d'Adolf Hitler. Pour ce faire, l'habile Roger se déguisa en soldat nazi. Hi, Hitler! Un geste historique. Jamais j'aurais pensé que je serais en première page du journal de Varennes. Impressionné par ce front page, un certain Marcel s'intéressa aussitôt à lui. Salut, moi c'est Marcel. T'ennuies-tu de Marcel? Ouais. C'est ça qui est ça. Quoi qu'il en soit, Roger Moquin n'a jamais eu peur du danger. Que ce soit lorsqu'il joue avec son obus de type atomique ou encore lorsqu'il fut capturé par Ilsa, la louve des SS. Oh, la cochonne! Elle voulait me faire manger une grenade. Une grenade? Oui, une grenade. Une grenade? Oui, une grenade. Une grenade? Oui, une grenade. Beau bonhomme... Je vais lui faire manger une grenade. Une grenade? Non, non, une grenade. Une grenade de deux? Voilà. Beau gosse. Ah, mais je suis pas sûr que ça va rentrer. Moi, j'ai une petite bouche. Elle m'a arraché les dents pour que ça rentre mieux. Puis? Elle fait 50 ans, elle est d'estomac. Mais cette mésaventure n'a pas empêché Roger d'encourager son fils Marcel à faire carrière dans l'armée. Moi, là, c'est mon père qui m'a tout montré. J'aimerais ça, il dit. Merci, papa. Un papa qui garde la forme. Car nul ne sait quand il sera appelé sous les drapeaux. C'était Jacques Chevalier Longueuil à Varennes. Mon chien guide a complètement changé ma vie. Même qu'en ce moment, je tiens plus à mon chien guide qu'à la prunelle de mes yeux. À Mira, ils ont l'habitude de donner des gros labradors, mais... Là, c'est le fun parce qu'ils ont un programme spécial pour ceux qui vivent dans des 2,5. En tout cas, Mira, ils ont fait une super belle job pour entraîner mon chien. On est comme deux mêmes personnes. On est comme super attachés un dedans l'autre. Mais Chris, que je suis allergique. Hi, America! How is with you? Yeah, okay. I have a little joke for you. This is the story of two hamburger steak boulettes. And one said to the other, who steak a
cachet. All right, Jack, yeah. You got it, Jack. Des brouillardises avec Manon. Ouais, c'est ça, Manon, là. Alors, Manon, il paraît que toi, tu gagnes ta vie en quêtant dans les rues de Montréal. T'sais, je veux pas être méchant, là, mais papa m'a toujours dit que le monde qui quête, là, c'est juste des paresseux, là, pis des profiteurs qui veulent pas travailler. Tu peux bien être circoncis, toi. Ah, il y a un petit pénis, s'il te plaît. Merci. Alors, pour en venir à ton reportage, il paraît que l'équipe de Sans Limite t'a filmé avec une caméra cachée. Et ça nous a permis de découvrir que t'as une façon assez efficace de quêter, hein, n'est-ce pas? Tu peux bien changer de sujet, toi. On regarde tout de suite ces images. Manon est quêteuse professionnelle. Faut que j'aille 30 sous, s'il vous plaît. Elle nous apprend les bases de son métier. Faut que t'ailles le look, faut que t'ailles l'air fucké, un peu frosté, tu sais, maquillé, puis tout, les cheveux, tu sais. Excusez, monsieur, c'est parce que ma grand-mère, elle habite au Nouveau-Brunswick, puis là, elle est arrivée à Montréal, là, on s'est pogné un petit peu, on s'est chicané. Là, j'y ai donné un bon coup de poignard. Là, il faudrait que j'appelle l'ambulance. Pouvez-vous me donner 30 sous? À Montréal, là, il y a bien du monde qui quête, hein, puis il y a bien de la compétition. Fait que faut savoir innover, tu sais. Comme moi, j'ai rajouté des accessoires, tu sais, comme un oignon. C'est pas cher, puis ça poigne. Auriez-vous 30 sous pour que je m'achète de la chlorette? S'il vous plaît. C'est bon, c'est bon. C'est bon, hein? Ah ouais. Une bonne idée, hein? Ah ouais, tu pues de la gueule, c'est vrai. Je vais t'acheter des blagues. Monsieur. Regardons maintenant la technique du renforcement positif. Monsieur, très gentil, il donne des 30 sous pour les filles qui sont dans le besoin. Des filles qui sont dans le besoin, il donne des 30 sous. Il donne des 30 sous pour les filles qui sont dans le besoin. Mais cette technique n'est pas toujours efficace, contrairement à celle-ci. Excusez, monsieur, c'est parce que... Auriez-vous 30 sous pour un plaster? Il faudrait que je m'achète un plaster. Je me suis toute coupée. Auriez-vous 30 sous? Ben non, c'est du ketchup que t'as dans le visage. C'est pas du ketchup, OK? C'est pas du ketchup. C'est ma grand-mère qui s'est revengée. C'est pas du ketchup, pas en tout. Je suis pas une crosseuse, OK? Bon, ben OK. Je vais te donner 25 sous, mais... est-ce que je peux y goûter? Franchement, c'est mes yeux. C'était Colette Josier-Martine pour NATM. Sans limite, inutile! Avec Jacques Cézanne! Oui! Jacques Cézanne, c'est messieurs! Amen. De Québec! Certainement! Alors, donc, c'est sans limite inutile avec Jacques Cézanne. Je te remercie beaucoup pour l'inutile, Pierre. Et alors, mon cher Jacques, d'après toi, là, c'est quoi la chose la plus inutile des années 90? D'après moi, ce serait la commission Bélanger-Campeau en 90 sur l'avenir constitutionnel du Québec. Oui, je me souviens, papa et moi avons suivi ça à la télévision, mais c'était interminable. Puis en plus, ça avait coûté une fortune, cette affaire-là. Oui, ça, c'est vrai. Mais oh! Grâce à un quiz que j'avais inventé, j'ai réussi à mesurer l'intelligence de nos dirigeants. Oh. Laisse-moi dire que si l'intelligence était un organe sexuel, bien, tous les politiciens se promèneraient en corvette. On regarde ça? On regarde ça tout de suite. Merci, merci, merci. Et bienvenue tout le monde au Salon Rouge de l'Assemblée nationale pour ce match entre les souverainistes et les fédéralistes. Avec moi, les co-animateurs et juges de Génie en panne, Michel Bélanger et Jean Campeau. Nous allons maintenant faire un test de micro. Test. Est-ce que les sonnettes fonctionnent bien? Parfait, on peut commencer. Jean? Première question. Quels sont les principaux problèmes auquel est confronté le Québec en ce qui concerne son statut politique et constitutionnel. Oui, Robert? L'Allemagne. Je pense que t'as pas très bien compris la question, hein? Il a pas l'air affilé. Droit de réplique? Jacques? Tous les impôts. Ou alors toutes les lois. Presque. Deuxième question. Si ça te fait rien, Jean, je vais les poser les questions. Ça va être bien mieux demain. Aux souverainistes, quel est le nom de l'actuel premier ministre du Québec? Moi, t'en as une. Trop long. Réplique.
C'est vrai qu'on ne sait plus ces temps-ci, hein? Ah, ce timbre nous annonce que nous allons changer de catégorie de questions. Probablement les questions de communication. C'était pas une question, ça. Tu l'as pas en tout, Jean. Bon, il boude. Peu importe, car ce sont les questions sprint. Là, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Complétez. Les sénateurs sont... Pour le Québec. Des épouvantails à moineaux. Pas de réplique pendant le sprint, malheureusement. Écoutez l'extrait musical suivant. Ça fait du bien, hein? Bon, on continue. Comment peut-on mesurer le lac Mead? Une profondeur. On ne souffle pas. C'est triché, ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il me prend-tu pour une valise, lui? C'est la fin du match. Match nul. On a pu faire de maître aujourd'hui. Mais ça se poursuit jusqu'à la finale le 28 mars 91. Et l'enjeu de cette grande finale, un pays. À la prochaine. Nonodio, t'es pas de m'avoir joué à cassette. Je pense que je me suis trompé de voix, de choses. On commence. L'autre jour, je me présente à côté de l'honorable Jean Chrétien et avec tout le respect et la douceur que peut renfermer un bon coup de poing sur la gueule, je lui demande tout doucement « Comment t'appelles ça, mon homme, un premier ministre qui saute en bas du pont Roquartier et qui se casse le cou? » Il dit « Je sais pas comment t'appellerais ça, toi, mon homme. J'ai un bon débarras. Bonsoir, Bob, ça va bien? Oui, ça va très bien. T'es en forme, Bob? Ah, tu fais top shape, Power Rangers. Excellent. Alors, il n'a pas changé. Alors, Bob, d'après toi, c'est qui la personnalité artistique qui a le plus marqué le début des années 90? Ben moi, spontanément, de même, là, ouais. Je dirais la plus grosse vedette de cette époque-là, là, c'est Nathalie Simard. Tu l'avais rencontrée, toi, hein? Ouais, c'est ça, à l'époque, elle avait sorti un disque. Puis, tu sais, là, elle avait des nouvelles peignures, là, puis elle arrêtait pas de me parler. Mes cheveux, mes cheveux, mes cheveux, mes cheveux. Elle arrêtera à 38, à peu près. Okay. Mes cheveux, mes 38, cheveux. 38, c'est bon. On regarde ça. Salut, de quoi ton nom, Daniel Dechem, Mario Trudel. Non, de fille. Claude Dubois. Non, l'affaire de Led Zeppelin, l'affaire d'Omar. Jean-Marie Moreau. Non. Hey, comment t'appelles, non? Peut-être Nathalie Simard. C'est ça! All right! Watch out! Nathalie, on a fait enregistrer un disque. Non, Hutz, Bédé, Potter. T'avais-tu longtemps pas mal, tu l'as ajouté? Ça fait 9 mois à peu près. Moi, ça faisait 5 mois avant d'entrer en studio. Ça fait 9 mois à peu près. Ça faisait 5 mois que j'avais les chansons. 39. C'est ça. Je sais. La cassette, elle a l'air pas pire. Comment ça marche? Là, on est done, hein? On l'écoutait, ouais. C'est bon? Salut! Tiens, salut, Cass. Franchement? Toi aussi, tu en as écouté à 10, hein? À pas bien, hein? Extraordinaire. Ah, capoté. Super. N'importe quand. Fantastique. Train électrique. Sublime. One note. C'est un bijou, c'est une mélodie... Non, it's a plane. Très bon. C'est bon. Regardez. Les cheveux. Capote pas. Les cheveux. Moto. Mais non, c'est pas pareil. C'était pareil. Mais non, c'est pas pareil. Je me sens à l'aise. Je suis très contente de ce qui arrive. C'était pareil. Mais non, c'est pas pareil. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est plus moi. C'est vraiment moi. Puis je me sens à l'aise. Je suis très contente de ce qui arrive. C'est tout pour cette semaine. Nous sommes très, très heureux de vous avoir présenté cette première de 4 émissions de Mea Culpa sans limite. Ne manquez pas la suite de nos aventures la prochaine fois. Ciao, ciao! Bye bye! Je suis la reine de Capéron. Ben, va t'en faire beau. Mériez de moi, Christy. Ça va? Mériez de moi.
Je veux mourir. Et pourquoi qu'on me tue un temps? Mon amour. Rip, c'est nous, là. Ça va de mieux en mieux bien. Sans limite. What? Sans limite. What? T'as besoin de pas passer ça. Oh non! Nous étions jeunes.